C'est par un dimanche matin que nous appareillons sur la rade de Toulon. L'officier de quart fait border la grand voile au cabestan. Il faut que tout le monde y aille et vire, et vire, et vire donc. Sans ça, tu n'auras pas de vin dans ton bidon. Et vire, vire, vire donc. Sans ça, tu n'auras pas de vin dans ton bidon. Le lendemain, au point du jour, le capitaine d'armes fait réveiller le tambour. Le lendemain, au point du jour, le capitaine d'armes fait réveiller le tambour. En lui disant, tambour, réveille-toi vite, bon matelot, fais le branle-bas de suite. C'est pour leur faire laver le pont. Sans ça, ils n'auront pas de vin dans leur bidon. C'est pour leur faire laver le pont. Sans ça, ils n'auront pas de vin dans leur bidon. Une fois le lavage terminé, on donne un coup de sifflet, l'équipage a changé. Une fois le lavage terminé, on donne un coup de sifflet, l'équipage a changé. Pantalon blanc, chemise de service, pauvre marin, pour toi quel supplice. C'est pour aller à l'inspection, sans ça tu n'auras pas de vin dans ton bidon. C'est pour aller à l'inspection, sans ça tu n'auras pas de vin dans ton bidon. Quand l'inspection est terminée, il y en a encore de quoi pour toute la matinée. Quand l'inspection est terminée, il y en a encore de quoi pour toute la matinée. Ce qui me dégoûte le plus dans ce service, c'est qu'on nous fait faire quelques sauvages exercices. Celui-là qui fait pas attention, celui-là n'en aura pas de vin dans son bidon. Celui-là qui fait pas attention, celui-là n'en aura pas de vin dans son bidon. Celui-là qui a fait la chanson, c'est le nommé Léon, un gabier d'Artimon. Celui-là qui a fait la chanson, c'est le nommé Léon, un gabier d'Artimon. Il en a bien souffert de la marine, de tous les gabiers et de la discipline. Une fois rentré à la maison, il ne pense